ライダーパスだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team sur la présentation de Pierre Dreamco. Hein, et pas que, il y a d'autres joueurs qui ont apparu, qui ont pop comme ça. Très sympa. On va y aller tranquillement. On va débiter les infos. Ce week-end, finale du Dream Championship à Tokyo. Donc deux Français, Rukawa et BGI. Donc force à eux, on va les soutenir. Mais le level elle a vraiment costaud, très costaud. Challenge Road qui revient, donc un ticket SSR garanti, plus minimum 30 Dream Ball si vous ne faites pas les Road X. Voilà, bon, le pire je t'en ai parlé. Il y a un nouveau éveil du potentiel de notre ami Diaz. Mais par contre, je ne sais pas à quoi elles servent ces pièces. Pour l'instant... C'est un petit peu, on va voir peut-être ça tout de suite, si le jeu veut bien, ferme un petit peu. Et aussi, j'ai démarré Captain Tsubasa 0, je pense faire une vidéo derrière, pour présenter ma team un petit peu, etc. Dire ce que j'en pense après 24 heures. Donc voilà, donc Diaz Junior, ok. Ok, tu as... Voilà, donc on a aussi ça. Des médailles rouges, donc très sympa comme récompense. Tu as 30 tickets Dream Ball, donc ça te fait une multi. Tu as des ballons SSR, mais de toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Et je crois que tu as des tickets de retrait. Par contre, tu n'as pas des tickets reset LB. Donc voilà, bon, complètement libre, ça c'est comme d'habitude. Bon, voilà, pour entraîner tes joueurs, c'est maintenant, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, on va aller voir le Pierre. Le Pierre qui est plutôt un passeur, parce que vu que sa aspect principal est une passe, il a un éveil du potentiel qu'on va détailler tout de suite. Après, si vous voulez vraiment de l'analyse très poussée, allez vraiment l'ami Mitch. D'ailleurs, un grand merci à la Mugiwara pour son accueil dans la confédération, parce que j'ai changé de confédération. Un gros big up à la FC Society, ils ont toujours été sympas avec moi, il y a eu zéro problème. Je quitte la confédération sans aucun problème avec personne. Je me sens brûlé avec personne. Kate, une crème, Toasty, tous ceux à qui j'ai un peu farmé avec dans la FC Society. Franchement, un gros big up à vous. Franchement, il n'y a rien à dire. Une super conf très sympa. Ok, répertoire de joueurs. Répertoire de joueurs. Donc, ouais, Dreampo, j'ai eu deux. J'ai eu un doublon chaud, que j'ai mis son tacle sur le Shunko Show rouge interception automatique là. Et j'ai eu le Tsubasa qui donne le tacle S. Donc pour l'instant je sais pas quel Tsubasa je vais mettre. Pas au Dreamfest rouge parce qu'il est trop mauvais en stade défense. Il faut que je trouve le bon Tsubasa qui va bien quoi. Allez, le Pierre devrait plus tarder, il est là. Ça, c'est le dernier pierre farmable qu'on a farmé. Moi, j'aurais bien voulu avoir le pierre 2 étoiles. Franchement, il est tellement beau. Purée, il est tellement beau. Toujours pas le Dreamfest, d'ailleurs. Toujours pas le Dreamfest. Il est là. On va directement voir le vide du potentiel. On va pas se prendre la tête. 1130 d'endurance. Très fort en endurance. Franchement, c'est un France Junior. Donc, c'est pas un World Youth. Donc, c'est un Junior Youth. Oui, ils sont un peu revenus un petit peu en arrière, même très en arrière avec le portail collège, avec le Jito, le Shimazu, et j'oubliais l'autre, c'est pas grave. C'est pas un Sawada? Non, c'est pas un Sawada, bon, je crois, c'est pas grave. 17 403 en attaque, 5 994, donc 6000 en dribble, 5000 en tir, 6372 en passe, sympa en passe, 17729 en défense, 6000 en tacle, 5781 en contre, 5700 en interception, 17217 en physique,
5005 en rapidité, 5005 en puissance et 6164 en technicité, balle haut et balle basse. Normal, milieu offensif et défensif. Donc vous pouvez jouer avec. Il a des stats qui sont pas trop dégueux en tacle. Donc si vous avez un petit tacle papillon S, peut-être que ça peut faire l'affaire. Donc de toute façon, on va voir l'SP maintenant. Donc voilà, bon, il a le tacle à 80. Faut voir le ratio intensité et coût de l'aspé. Il donne à tous les juniors youth, je crois que c'est 10%, 15%, 15%, autant pour moi. Je crois qu'il y a d'autres joueurs hein, qui donnent des juniors youth 15%, là je les ai pas en tête parce que bon, voilà. Mais je crois qu'il y en a encore d'autres, ouais. Je crois, attends. Il n'y a pas le nouveau Zino Dreamfest. Je crois qu'il donne des junior youth, je crois. Vu qu'il est junior youth. Et plus il y a deux joueurs, je crois, junior youth dans le match. Et plus il prend de spé. Donc il prend 2% quand il y a par joueur. Voilà, 2% par joueur. Donc si vous avez vos 10 joueurs, sans compter le gardien, 20% supplémentaire. Donc c'est pour ça que les spé, enfin pardon, les stats sont pas complètement folles. Mais si tu as une équipe junior youth, là le joueur peut être très 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 fort. Tu le mets 45%. Allez, on va dire si tu as d'autres les autres leader skills. Plus 20%, on est à 65%. C'est un truc de ouf. Là, ça peut être très 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 fort. Et on n'a pas encore parlé des éveils du potentiel. Passe glissant 210, sympa. Un peu monté jusqu'à 420. Champagne duo 475. Par contre, je crois qu'il faut le Misaki. Si normalement c'est. Ouais, c'est ça. Il faut le Misaki. Tac le papillon à 80. Peut-être que le champagne duo. Peut-être que le champagne duo, si vous avez un doublon du Pierre qui donne le 1-2 avec le. Enfin, même un 80. Un 1-2 avec le Pierre. Avec le Pierre Dreamco d'ailleurs. Le Napoléon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Le Napoléon Dreamco. Là, ça peut faire mal. Et vu qu'il y a. Je sais pas, c'est un Misaki. Oui, il y a un nouveau Misaki Junior. Interception automatique là, qui vient de sortir. Mais moi, je pense que. Pardon. Vu que le Napoléon Dreamco est complètement ouf, ce serait peut-être préférable d'enlever le champagne duo. Tu l'enlèves pas complètement. Tu fais un retrait technique, tu enlèves champagne duo, tu mets la S. La 1-2 Tour Eiffel, l'attaque de Tour Eiffel avec Pierre. Bon, tu montes le tac à 80. À la rigueur, qu'est-ce que tu peux lui mettre? Attends, comme autre spé. Tu lui mets une dribble. Tu lui mets un bon dribble. Ouais, tu lui mets un bon dribble à 80 aussi. Sinon. Ouais, une petite interception. Oui, interception. Petite interception. Voilà. Attends, ça spoil. Donc moi je pense que champagne duo tu lui enlèves, tu mets l'attaque de la tour Eiffel S, tu laisses le tac, tu mets un dribble et tu mets une interception. Donc comme ça au moins tu as un Pierre plutôt passeur et récupérateur de balles, parce qu'en tir 5000 quoi, c'est pas énorme de ouf quoi, c'est pas énorme de ouf, donc voilà. Voilà comment je ferais ce Pierre, moi, avec l'SP. Donc, il récupère 80%. Donc, ça veut dire que quand le ballon lui a passé, il se réveille, entre guillemets, rapidement. Il a une intensité de TS, sur toutes ses TS, 10%. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Faut pas négliger. C'est énormissime. Scellement de TS, donc, il scelle aléatoire. D'accord. OK. Donc, il va sceller n'importe quel TS. Donc, ça peut être une passe, une frappe, un dribble, ça peut être n'importe quoi. Donc il va sceller une spé quand il va être en duel contre quelqu'un. C'est un truc de ouf. Tueur de tir. Face au tir, autre que ballon. Il prend 100%. Donc ça veut dire qu'il a un contre. Donc il faut lui mettre un contre. Si c'est comme ça, il faut mettre un contre en fait. Parce que s'il est face au tir, oui, c'est ça, c'est un contre. Moi, je suis pas trop convaincu de cette compétence potentielle. Hein. Je suis pas trop convaincu. Et bien évidemment, quand il prend la bonne décision, il prend 30% supplémentaire. Donc, tout à l'heure, on a parlé de 65%.
Là, tu mets 30%, ça fait 80. Ouais, 95%. 95%. Ouais, c'est ça, 95%. Donc, il peut prendre jusqu'à 95%. Si t'as tous les leader skills et tous les joueurs junior youth, ça peut faire très très mal. Il peut faire très 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 mal. S'il prend la bonne décision face à un, par exemple, un mec qui veut te faire un dribble, tu fais le tac, c'est mort. Il passera pas. Il passera pas, c'est mort. J'avais oublié, il est bleu. Hein, sympa. Non, non, très très fort. Hein. Le Pierre. En plus, là, avec son maillot blanc de la France, il est chelou, comme dirait notre ami Bégito. Dédicace à Bégito et à la, et à la conf Zozo, Zouzou. Pardon. Le Diaz m'intrigue. On va voir le Diaz. C'est lequel qui donne les du potentiel. Alors, je vais voir parce que ça me. Ah, c'est le rouge. C'est le rouge. En plus, de toute façon, c'était. Je savais même pas qu'il existait ce Diaz rouge. Il donne. Attends, il donne quoi celui-là? Il donne quoi? Ah, c'est le. D'accord, c'est le farmable. Attends. Ah oui, c'est le farmable avec Tsubasa. Avec le Tsubasa. Bah, attends, on va voir. On va voir comment il monte. 249, ouais, c'est pas un truc de ouf. 5008 en tir. Bon, le reste, ça reste très très faible. Bon, B60. Donc, face au. Ah, c'est un tueur de joueurs italien junior. Ouais, bon. Par contre, là, oui. Ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, on a parlé des 15%. Lui, donne 10%. Peut-être à mettre sur le banc. Pour monter. Si t'as pas tous les bons leader skills junior, lui, tu le farmes. Tu fais l'éveil du potentiel. Et tu le mets sur le banc. Pour l'instant. J'ai bien dit sur le banc pour l'instant. Donc il est résistant face au terrain cabossé, c'est bien. Désactivation du scellement. De deux scellements, ça c'est pas mal. Il diminue tous les joueurs tech de moins 20% en duel. Donc, ah oui d'accord, proba une fois sur deux. Il tue tous les. Il prend 15% face au vert. Sympa, sympa. Et face au milieu offensif et défenseur, plus 25%. Donc. Pourquoi pas? Faut faire des calculs, mais pourquoi pas? Je laisse Mitch vous faire ça s'il l'a fait. Mais pourquoi pas? Il y avait un Robson, apparemment, qu'il y a un Robson qui vient de sortir. Ou je sais pas s'il va sortir ou pas. Aussi, il est dispo, on va voir ça tout de suite. Il est là. Il y avait un Robson avec un maillot rouge, je sais pas quoi. Ça doit être un junior aussi. Non, il est. C'est lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, c'est l'interception forcée, ça. Non, il n'est pas encore sorti. Il est un maillot rouge. Donc, qui est sorti sur Twitter. Donc, apparemment, il n'est pas encore dispo. Peut-être pour lundi. Peut-être pour lundi. Sinon, de quoi je pourrais vous parler encore. Hop. Donc, oui, il y a le nouveau gardien. Bon, on peut le voir, oui, le nouveau Müller. Je crois qu'il. Je me rends même plus quelle couleur il est. On va le voir rapidement. Je sais que bon, il est sorti depuis un bail et tout. Bon, je suis en retard, bien évidemment. On change pas les bails. Il est où notre petit Müller? Dayton Müller. Hop. Donc, World Cup. Le nouveau World Cup. Il est là, il est rouge. Donc 17779, 951 endurance. Ouais, d'accord. 9600 coups de poing, donc un vrai puncher. 8155. 18951 en physique, c'est pas trop mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, donc lui c'est un World Youth. Hein. D'accord. Donc lui, il donne, s'il y a 8 joueurs européens force, il donne 15% à tout le monde. C'est très bien. C'est très très bien. Et il prend 12% face aux attaquants. Donc, ouais. Donc, si tu tires avec un attaquant, il prend son passif s'active. Par contre, si tu tires avec un milieu offensif, là, il s'active pas. Donc, le petit Tsubasa Dreamfest peut lui faire mal. Entre, ouais. Même si, bon, ça va être neutre au niveau de la couleur, mais ouais. Coup de poing géant 265 et marteau. Donc, deux coups de poing. Si t'as un catch de côté, tu peux lui mettre à la rigueur pour sécuriser des fois. Ouais, il est.
Il est sympa, il est bien, il est bien. Si t'as pas de gardien, oui, c'est clair, il est bien. Il est bien. Pour une équipe rouge, en tout cas, une équipe Europe rouge, il peut faire le café et même l'espresso. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Je vous montre vite fait le shop, le nouveau mini shop, j'ai envie de dire. Avant de vous laisser. Et après, je fais ma vidéo zéro derrière. Alors, événement. Donc, c'est des pièces rouges avec un coup de poing dedans, je sais pas quoi. Voilà, ça, renforcement, ça s'appelle. J'en ai 15. Donc, il m'en manque encore 15 pour avoir tous les tickets de Rinpo pour essayer d'avoir un. Bah, le Oeran. Moi, le Oeran ou le. C'est lequel qui me manque? Et le pierre. Le pierre rouge que j'ai pas. Tout le monde a ce pierre, le World Youth, mais moi, je l'ai pas. Ballon. Pour avoir tous les ballons, il faut 20 pièces. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, par contre, c'est une fois par jour. Donc, vous pouvez le faire une fois par jour. Bon, la première fois, t'as la Dream Ball. Donc, c'est sympa. Ticket retrait technique, t'en as deux. Donc, deux pièces. Bah, t'en as deux. Ah, si, autant pour moi, pour le reset et le bête, t'en as deux. Non, c'est pas mal. Bon, ça dure 29 jours. C'est sympa pour fêter à peu près la finale du Dream Championship. Bon, les tickets UR MA, j'en ai plein. Je suis full. Même les entraîneurs, j'en ai plein, 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 plein. Donc voilà. Donc ouais, un petit event à farmer, mais vraiment vite fait, hein, très vite fait. Donc voilà où j'en suis au niveau du farm 93. Bon, je farm tranquille. Hein. En 3 jours, il se termine l'événement. Désolé si vous entendez la machine. Donc voilà, le bon ticket, ça, je l'ai pris très vite. Pour l'instant, j'ai rien pris encore. J'attends le dernier, enfin pas le dernier jour, mais presque les derniers jours pour me décider sur ce que je vais prendre. Voilà, les ballons CSR plus 5, promo, pas promo, etc. Les ballons pour les joueurs, etc. Donc pour l'instant, je farm et ensuite j'achèterai. Voilà. Voilà les amis, c'est je pense que là-dessus qu'on va c'est sur là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo sur Tsubasa Dream Team. Donc pas d'event PVP aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc il y en a qui vont pouvoir souffler. Là, ils vont pouvoir souffler, pardon. J'ai vu que Tritri, je crois que c'est Tritri sur Twitter qui a eu le pierre sur une single. Est-ce qu'on se fait une single? Est-ce qu'on se fait une petite single histoire de se dire au revoir? Ah, j'ai pas de ticket. Bon, de toute façon, je vais les garder. J'en ai pas besoin. J'ai déjà le joueur. Allez, on va se faire une petite single vite fait, histoire de. Allez, vraiment, ce serait énorme que j'ai quelque chose. Le Dreamco, c'est l'un des portails importants du jeu où j'ai le moins de risques d'avoir des doublons parce que j'ai quasiment personne en Dreamco. J'ai beaucoup de Dreamfest, mais Dreamco, j'en ai très 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 peu. Allez, hop, on va faire comme au Dreamfest quand j'ai eu le. Quand j'ai eu le. Je crois que c'est Masao, je crois. Non, flèche bleue, 3 corbacs. Non. Bon, bah voilà. Bon, c'est. Même, ah ouais, c'est même pas SR garanti, c'est R avec le super Dolman. Toi-même, tu sais la famille. Bon, les amis, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Je vous souhaite bonne chance si vous comptez poule sur le pierre, il est très très fort. Par contre, il vous faut absolument, si vous jouez, on va dire, allez, même, allez, Europe, avec certains leader skills, Europe, ça peut monter très vite. Oui, ça peut monter vite avec de l'Europe. Par contre, lui, c'est plus Junior Youth. Si tu veux vraiment l'optimiser, c'est vraiment il faut que tu aies une équipe vraiment Junior Youth qui peut faire très très mal. Voilà, les amis, je vous souhaite bonne chance si vous poussez sur ce magnifique Pierru et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.